Yo tout le monde, c'est TechPaf, on se retrouve aujourd'hui pour des voix du maître. Encore une fois, la semaine dernière, je vous ai fait les voix du maître. Là, cette semaine, je vous refais encore des voix du maître, histoire de varier un petit peu. Donc la semaine dernière, on a eu que des Zolo et des Reverse. Donc là, on va essayer d'avoir les Dracaufeu Shiny, enfin le Dracaufeu Rainbow ou le Dracaufeu Shiny, histoire d'avoir les cousins du Dracaufeu qu'on a eu déjà auparavant. Et voilà, donc là, je pense qu'on va ouvrir deux sorts silence et un mouton pour nous laisser encore un mouton et encore deux sorts silence. Et je pense que la semaine prochaine, je vous ferai du Destiny Radius, voilà, histoire de faire du contenu un peu varié. Donc voilà, comme d'habitude, donc là, le fameux poteau. Et donc, du coup, comme d'habitude, je vous prends les trois packs, on ouvre le premier ensemble, je vous montre la carte promo, je déballe les boosters, je vous fais un cut, on récupère les 12 boosters, on commence l'opening ensemble. Voilà, les gars, je vous cut ça de suite. Donc, les gars, le fameux 3 cartes promo. Désolé, la caméra a eu un petit souci. Encore une fois, je sais pas ce qu'elle me fait en ce moment. Donc, mes 3 cartes promo. Les fameux 12 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le 12e est sur ma gauche parce que j'avais commencé l'ouverture, mais la caméra n'avait pas coupé. Donc, du coup, avant qu'ils vous perdent 5 minutes comme la dernière fois, j'ai préféré ne pas faire de bêtises. Donc, hop, toutes les cartes promo qui sont là. Alors, celle-là, c'est le premier booster. Celle-là, c'est la carte promo du Moumouflon. La carte promo du sort silence. Et la carte promo du sort silence. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Au moins, il n'y a pas de problème. Hop, le fameux booster, comme je vous l'avais dit. Le 12e. Donc, électrique. Sonia. Moticyclette. Charpedo. Charpedo, c'est bien parce que je l'ai eu en reverse la semaine dernière, mais je ne l'avais pas en carte basique. Bakiguan aussi, pareil, il manque pas mal de cartes basiques dans le set Voix du Maître. Donc du coup, ça va être pas mal. Coconfort, Goupillou, Tilton, Rockabot en reverse, pareil. Celui-là aussi, je l'avais en basique, mais je l'avais pas en reverse. Parce qu'on a eu pas mal d'Holo et de reverse la semaine dernière. Donc du coup, j'espère que là, on va être un peu plus gâté. Et Florizarre V, excellent. Voilà, celui-là, je crois que c'est la première carte du set. Ouais, voilà, c'est la première. C'est la première. Enfin, on commence directement avec un Florizarre V. Donc c'est la première du set, c'est bien, ça va pouvoir compléter directement ma première page parce que je ne l'avais pas. Donc on va mettre ça sous simple sleeve et le Florizarre on mettra sur double sleeve. Donc les double sleeves je les mets en off hein, les gars, pour éviter de perdre du temps bêtement. Donc je mets la grosse pochette bien épaisse sur elle que je vais double sleeve et après je mets la sleeve directement. Donc voilà, hop, ça et on continue tout simplement sur cette lancée. Donc ouais, voilà, comme je l'ai dit, il y a pas mal de cartes basiques qui me manquent, hein, donc bon, là je dis pas non à toutes les cartes. Je sais qu'il me reste sort silence en normal, donc énergie métal, Sepiatros, celui-là je l'avais déjà, je crois, Super Ball, Percy, je ne l'avais pas, Aspico, Linéon, Carvana, Tilton, Gripat, Absol en reverse, c'est excellent parce que je l'avais en normal déjà, la semaine dernière on l'a eu en normal, Absol. Et Ixon de Galar en holographique, je crois que la semaine dernière on l'avait déjà eu en holographique Ixon, mais c'est pas grave, ça fera un doublon, et après on verra, le jour où je voudrais faire un échange, je prendrai tous mes doublons à échanger, et j'irai récupérer ce qui me manque, donc pour l'instant j'en ai pas besoin parce qu'on fait l'opening, donc du coup, tant que j'ai des packs, je ne ferai pas d'échange, je garderai mes doublons. Donc hop, reverse art, hop, holographique, on va les mettre ici, ça on va le resserrer pour que ça rentre dans votre plan, dans votre champ, pardon. Hop, art, et là les holos, c'est bon, vous voyez? Oui, vous voyez, excellent. Hop, on continue dans cette lancée. Miam, miasme, je crois que ma miasme, je l'ai déjà, on l'a déjà eu la semaine dernière. Hop, le code pour vous, 1, 2, 3 et 4, énergie, feu, électrique, je vous l'ai dit, quand je dis feu, c'est électrique, quand je dis électrique, c'est feu. Victini, Sonia, Kabou, Miamiasme, encore une fois, Total Soin, Gripat, Chaki prend, Abo, Chapotus en reverse, excellent, je crois que j'ai eu sa sous-invocation, ouais, Bibichu, je l'ai eu en reverse la semaine dernière, et oh! Coranium de Galar en V. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. Eh ben c'est excellent. On commence directement avec 3 boosters. Ouais, une full art. Un V. On est bien. Là, on est très très bien. Elle est très jolie. Je vais la mettre sur double sleeve directement. On va pas endommager ça. Donc voilà, ça c'est excellent. C'est excellent.
ça va venir compléter mon set directement. À toute allure, comme on dit. À toute allure. Hop, les reverse, hein, on vous le décale. Tac, et on enchaîne, les gars. Peut-être le shiny, peut-être le Draco Feu Rimbaud, on sait pas. On sait pas ce qu'il va nous réserver. Mais bon, il reste encore pas mal de boosters. J'ai encore 3 boîtes, je vais essayer d'aller en récupérer. Oh, énergie feu. Je vais essayer d'aller en récupérer d'autres. Chapotus, Sephiatros, Sbire de la Chimiel, Carvana, Tilton, Gripat, Aspico, Zigzaton, Super Bowl en reverse et encore un Nixon de Galar en holographique. Je pense que celui-ci, je vais l'avoir en je ne sais pas combien d'exemplaires, mais bon, c'est pas grave. Tout collectionneur ne refusera pas de cartes et surtout qu'on pourra l'échanger plus tard si par exemple des gens non l'ont pas et que moi ils ont des cartes qui m'intéressent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop, on continue les gars dans cette lancée. Hop, le code. 1, 2, 3, 4. Énergie métal. Feuille. Oh, dernière fois que j'ai eu les énergies feuilles, à chaque fois, ça me gâte. Dardanian. Mochi Smart. Percy. Goupillou. Abo. Carvana. Tilton. Goupix. Gripat en reverse. Et Lugarok en holo. Pareil, la semaine dernière, je crois qu'on en a eu 2 de Lugarok en holo. Donc là, comme je vous ai dit, les boosters, on est gâtés en holo. C'est que de l'holographique. Bon, on a eu quand même de la full art. On a eu quand même de la full art. Mais on est quand même sur un beau taux de drop de reverse et d'holographique. Hein. Bon, on va pas cracher dessus. Comme j'ai dit, je fais le full set. Donc, il me faut toutes les cartes. Donc bon, elles vont bien tomber un jour ou l'autre. Ce serait surtout pour vous faire un spectacle, histoire qu'il y ait... Le Rimbaud ou le Shiny, sait-on jamais, sur un malentendu. Énergie Psy, Sonia, Dardanian, Percy, Tilton, Machoc, Zigzaton, Goupix, Rocabot, Énergie Psy en holo. On a eu l'énergie métal, je crois, la semaine dernière, et recherche professorale en holo. Pareil, je crois qu'on l'a eu la semaine dernière aussi, elle. Enfin, on n'a pas eu la Psy en holo comme ça. Mais on a eu la métal, donc c'est pas grave. Ça fait partie de la collection, donc on aura directement toutes les énergies en holo. C'est pas grave, c'est que du plus. C'est que du plus. Par contre, celle-ci, là, ça fait pas mal de doublons que je récupère en holographique. C'est pas mal d'un côté, parce que comme je vous dis, ça va me permettre de les échanger. Donc du coup, moi, ça me déplaît pas non plus. Mais bon, si on pourrait avoir d'autres, c'est pas mal aussi. Hop, le code pour vous. 1, 2, 3, 4. Énergie électrique. Électrique. Énergie métal. Ok. Sonia. Moticyclette. Charpedo. Carvana. Ocean. Goupix. Machoc. Charby. Machopper en reverse. Et Altaria en holographique. Pareil, la semaine dernière, on en a eu 2 de celle-ci. Donc, c'est pas grave. Ça fait des doublons. Ça fait des doublons. Mais on va pas dire non. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de reverse et d'holographique dans ces boosters-là. Donc bon, on va pas cracher dessus. C'est toujours ça de prix. Si à chaque booster, on a une holo et une reverse, je vais pas dire non. Hein. Ce sera mieux que d'avoir une carte basique. Enfin, rare. 1, 2, 3, 4. Énergie feu. Énergie roche. Sonia. Kabou. Trévis. Trévis, pas mal. Je l'avais, je crois, en reverse et je l'avais pas en simple. Donc, du coup, ça va venir compléter. Gripat, Bibichute, Goupillou, Sepiatop, Machopper en reverse. Et, oh, Gardevoir V. Excellent. 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 Voilà, je préfère voir ce genre de carte que ce genre de carte qu'on a déjà eu juste avant. Ça fait un peu répétitif. Ça, c'est excellent. Voilà, on a déjà 2 full art, une V. C'est excellent. Voilà, ça reste quand même, ça reste des boosters positifs. On est quand même sur du full reverse, full holo, mais on a quand même du full art, on a quand même de l'art, on a quand même des bonnes cartes. Donc on va pas cracher dessus. Et sachant qu'il nous reste encore 4 boosters. Donc ça va, on est plutôt safe. On est plutôt safe, on a bien drop, on va pas se plaindre. On aurait pu moins drop. On aurait pu carrément moins drop. 1, 2, 3, 4. Énergie électrique. Donc là, ça va être énergie feu. Et non, énergie psy. Dardanian, Arbok,
Nabil, Gripat, Pokéball, Aspico, Coconfort, Carvana, Absol en Reverse et Torgamore en V. On l'a eu la semaine dernière. Donc celle-là, c'est pareil, ça fait un doublon. Comme j'ai dit, c'est pas grave. Et Torgamore aussi, ça fait un doublon. C'est pas grave non plus. Et on va pas refuser des cartes. Pas du tout. Donc du coup, ça sera pour de l'échange. Je le mettrai dans le bouquin de trade. Tout simplement. Hop, hop. Et le jour où j'aurai l'occasion d'aller sur... si le Covid nous le permet surtout. Parce que là, les LAN et tout ça, c'est tout. Il y a tout qui a été enlevé là. On ne peut plus rien faire. Mais bon, il y a bien un jour où ça va se débloquer, où on pourra sortir de chez nous, faire des choses un peu changer du quotidien. Énergie feuille, conserve douteuse, excellent, je l'avais pas celle-ci. Sonia, Léopardus, Lignon de Galar, Bibichu, Tilton, Baguiguan, Carvana et une énergie psy en holo, encore une fois. Et Lucario V, excellent, l'art de cette carte est juste insane. Je l'avais regardé sur Pokécard, l'art est juste trop magnifique. Lucario, c'est un de mes Pokémon, entre guillemets, d'enfance, qui me font kiffer, parce que je les trouve trop, trop stylés. Et je les trouve vraiment trop stylés. Enfin, je le trouve tellement stylé, et même sa sous-évolution est magnifique. Là, pour le coup, je suis content de t'avoir eu. Bah, tu vois, les deux autres, aussi, hein, je vais pas vous cracher dessus, hein, mais Lucario, je suis content de l'avoir. Parce que c'était une des cartes que je voulais, justement. Hop. Le code pour vous, 1, 2, 3, 4, énergie électrique, donc du coup c'est feu, maintenant métal, comme ça c'est fait. Mochi Smart, stade de Greenbury, pardon, Trévis, Tilton, Machoc, Zigzaton, Goupix, Rockabot, Lugarok en reverse encore une fois, et Altaria holographique encore une fois. Bah écoutez, je vous l'ai dit, hein, c'est du reverse, c'est de l'holographique, c'est comme ça. Hop, pardon, je t'ai mis à l'envers. Tac. Et toi, la sleeve un peu plus épaisse. Voilà, Altaria, donc on l'aurait eu 4 fois en holographique. Voilà, donc je l'ai en 4 fois. Donc le dernier booster, Torgamore VMAX, est-ce qu'il va nous porter chance? On va voir ça tout de suite ensemble. Hop, le code. Bim, pardon. 1, 2, 3, 4, énergie, feu. Énergie psy. Et du coup, Sharpedo, Peterson, Chapotus, Pokéball, Aspico, Coconfort, Carvana, Potion. Allez, on veut le Dracaufeu Rimbo. Victini, Reverse et Blancoton V. Ben voilà! On a eu pas mal, franchement les gars, on a eu en termes de ratio de drop, on a eu de très bonnes cartes. Je vais pas cracher dessus, franchement. On est sur un très 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 bon tout drop. Hop, excusez-moi. Hop, on est sur un très bon taux de drop. Parce que là, franchement, on a entre les arts, les full arts, les reverse et les holo, on a été gâtés. Hop, je vais faire un petit check. Donc, hop, les reverse, les holo, les arts et les full arts. Hop. Donc, on va se faire un petit check. Franchement, regardez les gars. On va pas se plaindre. Donc, en reverse, Victini. Lugarok en holo, pardon, on a eu énergie, Absol en reverse, Machopper x2 en reverse, énergie psy holo en double, Gripat en reverse, Super Ball en reverse, Chapotus, Absol encore, Rockabot, en holographique on a eu deux Altaria, on a eu une recherche professorale, un Lugarok, deux Ixon de Galar, en art V on a eu un Blancoton, un Lucario, un Torgamore, ainsi qu'un Florizarre, et en full art on a eu un Gardevoir V et un Corium V. Donc, qui va venir compléter directement ma collection. Là, il y a pas mal de cartes qui vont venir compléter ma collection. Bon, sauf les doublons, comme je vous l'ai dit. Mais il y a pas mal de cartes qui vont venir compléter mon set. Je ferai une vidéo, un de ces quatre, quand mon set Destinée Radieuse ou Voix du Maître sont un peu plus avancés, histoire de vous montrer comment on avance ensemble sur l'objectif de le remplir. Et donc, du coup, voilà, les gars, je vous remercie d'avoir visionné. Et je vous dis ciao, à la prochaine.